Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs. Shalom, shalom, nous remercions le Seigneur. Je ne sais pas si vous me recevez de l'autre côté, 5 sur 5. Que notre Dieu soit béni d'être devant vous. Merci pour sa fidélité et sa bonté. Il est Dieu, il reste Dieu. Nous sommes à notre rendez-vous de ce jour samedi où nous devons encore louer l'Éternel et notre Dieu pour le miracle et le prodige qui nous a fait de nous donner la vie, de nous donner le souffle de vie. Gloire revient à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le fait de se retrouver ce matin ici, ce n'est pas quelque chose d'hasard, parce que devant notre Dieu, il n'y a pas d'hasard. De fait, nous allons dire, Seigneur, prends le contrôle et que tu nous diriges. Que le Seigneur, notre Dieu, nous oriente du début jusqu'à la fin de notre service. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Alléluia, gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange, gloire et louange, gloire et louange, alléluia. Alléluia, gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange, gloire et louange. Alléluia. Alléluia, gloire et louange. Alléluia. Alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Commence à dire merci à l'Éternel là où tu es, commence à lui dire Seigneur, gloire revient à toi, gloire revient à toi pour ce matin. Gloire revient à toi pour ces moments. Commence à élever les noms de notre Seigneur. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur. Alléluia. Ô Éternel et notre Dieu, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta fidélité qui est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur Jésus, qui est digne comme toi, Yahweh, qui est digne comme toi, qui est digne comme toi, qui est digne comme toi, Seigneur Jésus. Mon âme t'adore, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te lève, l'alpha et l'oméga. Je te remercie, Père. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Yahweh. Je bénis ton nom pour la vie. Je te loue, Yahweh, pour les souffles de vie. Je te loue, Éternel, et notre Dieu, notre Père, pour le miracle et le prodige. Je te remercie pour ta bonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour ton amour, Yahweh. Je te remercie pour ta justice. Je te remercie pour ta fidélité, ô Éternel et notre Dieu. Nul est comme toi, Père, nul est semblable à toi, Yahweh, nul est magnifique en sainteté comme toi, nul est digne de recevoir l'honneur et la gloire comme toi. Mon âme t'adore, Père, mon âme te bénit, Seigneur Jésus, mon âme te magnifie, Éternel et notre Dieu, notre Père. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois la puissance, Seigneur Jésus. Le fait de se retrouver encore, Yahweh, cet après-midi, Yahweh, Éternel, notre Dieu, afin que, avec mes frères et sœurs, Yahweh, nous te remercions et nous remettons ces moments entre tes mains. Nous prions afin que, Seigneur, notre Dieu,
Que toi seul, tu règnes pendant ces temps. Que tu règnes pendant ces temps. Que tu règnes pendant ces temps. Que tu prends les contrôles de notre service. Que tu prends les contrôles de notre culte, Seigneur. Yahweh, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, Yahweh. Nous bénissons ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est digne comme toi? Qui est semblable à toi, mon Père et mon Dieu? Nous venons célébrer ton nom. Nous venons célébrer ta fidélité. Nous venons célébrer ta justice, mon Dieu, mon roi. Nous venons célébrer ta grandeur, papa. Nous venons célébrer, ô éternel et notre Dieu, ton amour. Nous venons célébrer ta bonté, Seigneur, notre Dieu. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Nous disons merci. Nous disons merci. Nous disons merci. Et nous remettons notre service entre tes mains. Nous remettons notre culte entre tes mains. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu règnes, Père. Que tu règnes, Yahweh. Que tu règnes, mon Dieu, mon roi. Que tu règnes, papa. Que tu règnes, Père. Que tu règnes, Yahweh. Règne éternel, notre Dieu. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous. Père, laissez-moi t'adorer. Laissez-moi te louer. Laissez-moi te lever. Laissez-moi t'exalter. Laissez-moi te magnifier. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le vainqueur de l'humanité. Nous t'adorons, Père. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Papa. Nous rendons gloire. Nous rendons l'honneur. Nous rendons la puissance, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Laissez-moi t'adorer, Papa. Laissez-moi te louer, Seigneur Jésus. Laissez-moi te lever. Laissez-moi t'exalter pour la vie, pour les souffles de vie. Laissez-moi, éternel, et notre Dieu, notre Père. Toi qui es Dieu, tu restes Dieu, Seigneur. Laisse que ta main cet après-midi puisse nous toucher. Laisse que ta main cet après-midi puisse nous visiter. Laisse que, ô éternel et notre Dieu, que tu puisses nous toucher, Yahweh. Ô Yahweh, toi qui as dit dans ta parole, Seigneur notre Dieu, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu te laisses trouver par ceux qui t'invoquent. Tu as dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Oui, éternel est notre Dieu. Nous venons invoquer encore cet après-midi ton nom. Nous venons invoquer cet après-midi ta présence. Nous venons invoquer cet après-midi ta fidélité. Nous venons invoquer cet après-midi ta justice. Nous venons invoquer ton nom, Seigneur. Nous venons invoquer ton nom, mon Dieu. Nous venons invoquer ton nom, Papa. Nous venons invoquer ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, mon Dieu, mon roi. Laissez-moi t'adorer, Père. Laissez-moi te louer, Seigneur Jésus. Laissez-moi te lever. Laissez-moi t'exalter, Seigneur, mon Père et mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous continuons encore à louer le nom de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare, « Venez goûter combien l'Éternel est bon. » Lui qui a permis que ce matin, vous et moi, nous puissions nous retrouver. Nous allons encore lui dire merci pour sa bonté. Nous allons encore lui dire merci pour son amour. Nous allons encore lui dire merci parce qu'il nous invite cet après-midi de venir devant lui gratuitement, sans payer quelque chose, sans donner quelque chose. Mais il te donne cette opportunité que tu puisses te présenter devant lui. Il te dit, viens tel que tu es là. Amen. Il ne rejette personne. Merci, Jésus. Voilà pourquoi nous allons encore lui dire merci pour sa bonté. Merci. Nous allons encore lui dire merci pour son amour. Merci. Parce que tu n'as rien payé pour être dans sa présence. Si tu veux aller voir à Buckingham Palace, voir la reine, ce n'est pas chaque jour que tu peux voir la queen. Parfois, il y a des jours où on dit aujourd'hui, il va se présenter au balcon. Mais notre Dieu, ce n'est pas le cas. Notre Dieu, il est là à chaque fois que nous l'invoquons. Il est là à chaque fois que nous cherchons sa présence. Il se laisse trouver. Voilà pourquoi nous allons encore lui dire merci. Nous allons encore lui dire merci en disant merci pour ta bonté.
Prie le Seigneur là où tu es, mon frère et ma soeur. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, je te remercie, je te bénis. J'ai loué ton nom, Yahweh. J'exalte ton nom, Père Proceur. Rebo Shandaraba, Sakaraba, Shindaraba, Indaraba, Shandaraba, Sekerebo. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci parce que tu m'invites cet après-midi. Tu m'invites ensemble avec mon frère, avec mes soeurs éternelles et notre Dieu. Ensemble avec nos enfants, Seigneur. Tu nous invites, mon Père et mon Dieu. Tu nous invites sans argent. Tu nous invites, mon Père. Tu nous invites, Seigneur, notre Dieu, tel que nous sommes, mon Père et mon Dieu. Toi, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon appel. Toi, le Dieu qui m'a aimé, le premier Seigneur Jésus. Laissez-moi t'adorer, Père. Laissez-moi te louer, éternel et notre Dieu. Laissez-moi te lever et t'exalter, Seigneur, notre Dieu. La gloire revient à toi, Seigneur. L'honneur revient à toi, Père. La majesté, tu as pris soin de nous, Seigneur, notre Père. Yahweh, gloire revient à toi, Seigneur, notre Dieu. Gloire revient à toi, Yahweh. Toi qui me fais rassasier de ta bonté. Toi qui me fais rassasier de ta bonté. Toi qui me fais rassasier de ta bonté. Nous venons devant toi, Seigneur, notre Dieu. Nous venons célébrer ensemble nos papas. Nous venons exalter ton nom éternel et notre Dieu. Nous venons t'adorer parce que tu es celui qui règne dans l'adoration. Tu es celui qui siège dans la louange, mon Père et mon Dieu, mon roi. Yahweh, nous ne pouvons pas être ingrats devant toi, Seigneur. Depuis le matin, tu nous donnes la vie. Jusqu'à cet temps, Seigneur, notre Dieu, nous bénéficions encore de ce souffle de vie gratuitement. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te disons merci. Que gloire revient à toi, Seigneur, notre Dieu. Que l'honneur revient à toi, mon Dieu, mon roi. Le temps que nous aurons à passer ensemble, Seigneur. Laisse que ta bonté te revienne, Seigneur. Laisse que ton amour, ô éternel, notre Dieu, se manifeste au milieu de nous. Nous bénissons ton nom, Papa. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta justice. Nous bénissons ta fidélité. Nous bénissons ta grandeur, mon Dieu, mon roi. Toi qui es le Saint de Saints. Toi qui es le Saint de Saints. Toi qui es le Saint de Saints. La gloire, ô éternel, est notre Dieu. À toi, Seigneur Jésus. La gloire revient à toi, Seigneur, mon Père et mon Dieu, mon roi. Le Dieu de ma vie, Seigneur. Le Dieu de ma vie, mon Père et mon Dieu. Nous t'adorons, Père. Nous te louons, Seigneur Jésus. Nous célébrons ton nom, Papa. Nous célébrons ta bonté, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Père et mon Dieu, mon roi. Mon âme t'adore, ô Yahweh. Mon âme te bénit, Seigneur Jésus. Mon âme te lève, Seigneur, notre Dieu. Mon âme t'exalte, Père. Mon âme te magnifie, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, mon Père et mon Dieu, mon roi. Rebo Sharaba, Santaraba, Rindaraba, Shekerebo, Rebo Santaraba, Baba Baba, Rebo Shandaraba, Sekerebo, Rindaraba, Shandaraba, Rikaraba, Sekerebo. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père. Rebo Shandaraba, Sakaraba, Shindaraba. Nous bénissons ton nom, Papa. Nous bénissons ton nom, Yahweh. Nous bénissons ta présence, Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons ta fidélité. Nous bénissons ta bonté, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Le refuge de ma vie, c'est toi, Seigneur, notre Dieu. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre paix. C'est toi qui es notre joie. C'est toi, Yahweh éternel et notre Dieu, qui fais notre fierté, mon Dieu, mon roi. Nous marchons tête haute, poitrine bombée, Seigneur. Sans honte, mon Père et mon Dieu, mon roi. Parce que tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, Seigneur, mon Père et mon Dieu. Tu as payé le prix à la croix du calvaire pour que nous ayons la vie, Seigneur. Tu t'es donné toi-même à la croix du calvaire pour que l'humanité soit sauvée. Mon Dieu, mon roi, je t'adore, Papa. Je te bénis, Seigneur, notre Dieu. Je te lève, éternel et mon Père. Dieu, car tu as brisé les rideaux qui nous séparaient avec le Père. Tu nous as réconciliés avec le Père. Nous qui étions
loin, Seigneur. Nous étions loin, mon Père et mon Dieu. Nous n'avons même pas les droits d'être cités en Israël. Mais à cause de ton amour, Yahweh, tu nous as fait cette grâce, Seigneur. Merci pour le salut, Yahweh. Merci pour ton amour éternel et notre Dieu. Merci pour ta justice, Père. Oh Dieu, mon âme t'adore. Mon âme te bénit pour l'œuvre de la croix. L'œuvre auquel, Seigneur, notre Dieu, notre Père, personne d'autre a accepté de monter. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Yahweh, car tu as accepté, Seigneur, d'être crucifié pour moi, d'être crucifié pour mon frère, d'être crucifié pour ma sœur. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, le Dieu de notre vie. Me dit, c'est toi, moi, qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, Seigneur. C'est toi qui vis en moi, éternel, à notre Dieu. Yahweh, je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ta présence, Seigneur. Je bénis ta fidélité. C'est mon Dieu, je bénis ta justice, les dieux. Je bénis ta bonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Alléluia. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour le pardon de mes péchés. Tu as enlevé les péchés qui pesaient sur moi. Tu as enlevé la malédiction qui pesait sur moi. Ô éternel et notre Dieu, tu les as oubliés, Seigneur, notre Dieu. Tu m'as purifié, tu m'as sanctifié. Tu m'as lavé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur Jésus? Merci, éternel, et notre Dieu, notre Père. Nous, autrefois, éternel, et mon Dieu, qui pouvait parler de nous, Seigneur? Qui pouvait parler de nous, Seigneur? Tu as changé notre témoignage. Tu as changé notre témoignage. Tu as enlevé l'opprobre qui pesait sur nous. Tu as enlevé la honte qui sur nous. Oh Dieu, je bénis ton nom, Yahweh. Je bénis ta présence. Je bénis ta fidélité, Seigneur, car notre témoignage, tu les as changés, Seigneur. Le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon âme, nous t'adorons, Papa. Revo Shandaraba Karaba, Indaraba Sekerebo. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Nous qui étions morts. 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 Nous qui étions morts, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Tu as manifesté ton amour. Tu as manifesté ta bonté. Depuis notre enfance, Seigneur. Oh Dieu, tu as pris soin de nous. Même si tout le monde a abandonné. Même si tout le monde nous a délaissés, mais toi, tu ne nous as pas abandonnés. Toi, tu as manifesté ta fidélité. Tu as manifesté ta bonté. Tu as manifesté ta justice. Tu as manifesté ta grâce. Tu as manifesté ton amour, Seigneur, depuis notre enfance, Seigneur. Pourquoi ne pas te dire merci, Yahweh? Pourquoi ne pas te dire merci, Seigneur? Pourquoi ne pas te louer, éternel, à notre Dieu? Yahweh! Yahweh, tu me fais remplir de ton amour. Tu me fais remplir de ton amour. Tu me fais remplir de ton amour, Seigneur. Tu me fais remplir de ton amour, Yahweh. Tu me fais remplir de ton amour, Papa. Tu me fais remplir de ton amour éternel à notre Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. L'opprobre de la honte qui était sur nous. L'opprobre qui était sur nous. Oh Dieu, tu as enlevé, Seigneur. Tu as enlevé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, parce que jour et nuit, tu m'es béni. Tu me fais remplir de toutes sortes de bénédictions. Tu me fais remplir de toutes sortes de bénédictions. Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Alléluia. Robo Shandaraba. Rebo Shindaraba. Alléluia. Rekerebo Shindaraba. Merci, Jésus. Alléluia. Oh Dieu, tu es bon. Tu es bon, merci Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons entrer bientôt à l'intercession. Nous venons de passer ces moments. Merci, mon Dieu. Mais de louer et de dire merci, éternel. Nous ne devons pas être ingrats devant l'éternel pour son amour et pour sa bonté. Il est un Dieu fidèle, il est un Dieu merveilleux. Oh, son amour est tellement puissant pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous allons lire, comme je l'ai écrit là-bas dans le livre de Ézéchiel,
au chapitre 7. Merci, Jésus. Ézéchiel, chapitre 37. Le verset premier jusqu'à 7. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa du milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À sec esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu et comment j'ai prophétisé. Il y a eu un bruit et voici, il s'est fait un mouvement et ses os s'approchèrent les uns et les autres. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que notre Dieu soit béni, bien-aimé. Ça, c'est la parole de l'Éternel, notre Dieu, qui s'adressa à Ézéchiel. Ézéchiel qui était serviteur de Dieu, qui était fils d'un sacrificateur, que le Seigneur a utilisé pour diverses. Mais le Seigneur, la Bible nous dit, la main de l'Éternel a transporté Ézéchiel dans la vallée où il y avait des ossements desséchés. La vie spirituelle et dans la vie chrétienne, nous devons sortir de ce qui est naturel. Nous devons abandonner ce qui est naturel. Nous devons abandonner ce qui est l'habitude dans notre vie. Je bénis le Seigneur. Nous sommes dans période de confinement. Dieu ne fait rien au hasard. Le Seigneur, il peut te faire sortir des forces parce qu'il t'aime. Il a une mission particulière avec vous. Il veut t'amener loin. Mais tellement que le Seigneur, il te fait que parler, il te fait que révéler des choses. Mais toi, tu es toujours collé à quelque chose. Tu te dis, non, moi, je m'attache à ceci, c'est trop cher pour moi. Le fait de s'attacher à ces choses-là, ça te fait rater d'espérer la gloire de Dieu. Parce que tu es tellement accroché à l'habitude. Tu sais que moi, je prie de cette manière. Tu sais que quand je pars à l'église, nous allons commencer de cette manière et nous allons finir de cette manière. Tu sais que quand le pasteur va commencer à parler, il va commencer par tel mot et il va finir par tel mot. Tu sais que quand les musiciens vont nous conduire dans l'adoration, tellement cela est déjà cristallisé dans notre cœur. Et nous sommes focalisés à ces choses-là. Nous restons sur la... Mais Dieu reste Dieu. Lui qui a créé les cieux et la terre. Lui qui a créé toutes choses, visibles et invisibles. Il vous a créés.
Il a une mission particulière avec vous. Mais il veut te faire sortir de l'habitude. Voilà pourquoi la Bible dit, la main de Dieu a transporté Ézéchiel pour lui amener dans la vallée. Alléluia. Dans la vallée. Là où il n'y a pas la vie. Là où il n'y a pas d'eau. Vous savez, quand vous traversez dans la vallée, ce n'est pas facile. Vous pouvez marcher des kilomètres et des kilomètres. Peut-être que tu vas trouver l'eau et loin de l'eau, source de l'eau. Dieu a amené Ézéchiel dans ces circonstances-là. Comme aujourd'hui, nous sommes dans le confinement. Nous sommes enfermés. Quand vous sortez dehors, vous ne sentez même pas la vie. Vous ne sentez même pas la joie. Vous vous posez la question, est-ce que c'est dans ce pays où nous sommes venus vivre? Est-ce que c'est dans ce pays où nous voyons des gauches et des droites, des choses parfois qui nous étonnent? Mais aujourd'hui, quand tu sors, tu sens la mort. Mais le Seigneur, il veut te parler pendant ce temps. Et le Seigneur, je suis sûr et certain, il vous a parlé. Il te dit, sors dans l'habitude. Parce que je vais faire quelque chose avec toi. Pendant qu'il l'a amené, il a dit, fils de l'homme, prophétise. Il a posé la question, est-ce que ces ossements, est-ce que ces os peuvent vivre? La Bible dit, Ézéchiel, il n'était pas à mesure de répondre. Il n'était pas à mesure de répondre. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le spirituel qui vivait en lui. Si vous lisez dans Corinthiens, la Bible nous dit, il y a trois aspects d'homme. L'homme charnel, l'homme animal et l'homme spirituel. Ézéchiel n'était pas en mesure de répondre. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de lui, l'esprit, la place d'esprit n'était pas là. C'est l'esprit qui nous révèle les choses cachées au sein du Père. Alléluia. C'est l'esprit qui nous conduit, c'est l'esprit qui nous donne l'orientation. Comment nous devons vivre? Comment nous devons marcher? Comment nous devons faire telle ou telle autre chose, mon frère et ma sœur? Comment nous devons nous organiser dans nos maisons? Comment nous devons vivre même dans le mariage? Comment nous devons éduquer nos enfants? Comment nous devons faire nos études? Comment nous devons faire telle autre chose? Mais tellement nous nous sommes focalisés sur l'habitude. Et quand Dieu nous pose la question, nous ne sommes pas en mesure de répondre. Pourquoi? Parce que la chair domine en nous. Et cette chair nous empêche de vivre la puissance surnaturelle. Ézéchiel n'était pas en mesure de répondre si ses ossements pouvaient recouvrir la vie. Pourquoi? Parce qu'il est consacré à l'habitude. L'habitude. Il est habitué. Quand j'arrive à l'église, je sais que maman Nathalie, maman Lily, elles vont ouvrir la porte et on va donner l'enveloppe. Quand les musiciens vont commencer à chanter, maman Aniel va chanter ceci, papa Daniel va chanter comme ça. Quand ça va finir, on va faire la queue. Donc, ça devient l'habitude. Le Seigneur veut nous faire sortir de cette histoire-là dans le nom de Jésus. Dieu nous amène dans les confinements pour que nous puissions encore. Il veut nous travailler et que nous puissions arriver à vivre la puissance surnaturelle. Dieu lui dit, prophétise, comme nous l'avons dit hier. Jésus a réuni les disciples quand il les a identifiés. Jésus, la Bible nous dit que Jésus les a donné la puissance et l'autorité. Et ils sont partis. Et ici, Dieu dit à Ézéchiel, il dit, prophétise. Oh, ça c'est merveilleux. Cela ne veut pas dire que Dieu ne pouvait pas agir. Dieu pouvait agir. Il est souverain. Mais il a dit à Ézéchiel, il dit que
prophétise. Bien-aimé, vous avez reçu l'Esprit de Dieu en vous. Vous avez reçu l'Esprit de prophète en vous. Vous avez reçu l'Esprit de révélation en vous. Vous avez reçu l'Esprit de vie en vous. Vous n'avez pas seulement besoin de chercher un prophète quelque part pour qu'il prophétise pour vous. L'Esprit qui est en vous est à mesure de changer toutes choses, bien-aimés frères et sœurs. Mais sortez à l'habitude. Vous savez, Pierre, c'était un pêcheur. Il était habitué à aller pêcher, prendre les poissons. Mais quand Christ lui a appelé pour la mission, il était avec Jésus. Il s'est habitué à Christ. Quand Christ est mort et il a ressuscité, Pierre a dit, ah, notre job est fini. Lui-même nous avait dit, de tout laisser, nous aurons senti. Puis regarde maintenant, il est mort, on l'a mis quelque part. Bon, vaut mieux que je retourne à ce que je faisais comme job. L'habitude. Il est rentré travailler. La Bible nous dit qu'il a travaillé toute la nuit sans rien pêcher. Mais quand le Seigneur est venu vers Pierre, il lui a posé la question. Pierre n'était pas en mesure de répondre. Mais sur la parole de notre Dieu, comme Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur la parole. Quand il a dit, jette ton filet. Oh bien-aimé, quand Pierre a jeté sans hésitation, alléluia, la Bible nous dit, c'était des milliers de poissons. La puissance est surnaturelle. Nous devons sortir dans les habitudes de mon frère et ma sœur. La famille de Lazare, ils ont dit à Jésus, ça fait 4 jours qu'il est là. Comment il a mis à prophétiser. Il a prophétisé. Il a dit selon la parole et selon la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que l'Esprit a soufflé sous les ossements desséchés. Qu'est-ce qui est sec dans ta vie? Qu'est-ce qui est sec dans ta maison? Je refuse la mort. Je refuse ce qui n'est pas de toi. J'aimerais vivre la puissance surnaturelle. Tu vas déclarer selon l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu vas prophétiser selon la parole de Dieu qui est en toi. Tu vas refuser la mort. Tu vas refuser cet esprit qui domine sur toi. Ézéchiel a prophétisé selon la parole. Comme Jésus a dit à la fille de Lazare, il a dit « ôtez la pierre » et il a déclaré et Lazare est sorti. Ça, c'est la puissance surnaturelle que Ézéchiel a expérimentée. La Bible nous dit que quand il a prophété, c'était un millier. Reboshi Karaba, l'armée de l'Éternel. Bien aimé, Jésus a dit dans le livre de Jean, au chapitre 10, que je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Ce que tu vis là, ce n'est pas l'abondance. Tu dois déclarer, tu dois prophétiser l'abondance dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois prophétiser. Tu n'as pas besoin d'appeler un prophète pour prophétiser pour toi. Tu vas prophétiser cet après-midi. Tu vas dire, Seigneur, je prophétise sur ma vie. Je prophétise sur mes enfants. Que l'esprit de vie entre et que l'abondance règne. Alléluia. Dieu est là pour te visiter. Voilà pourquoi, là où tu es, mon frère et ma sœur, tu vas prendre n'importe quelle position. Tu vas prophétiser selon l'Esprit. Tu vas déclarer. Prends ta Bible avec toi. Répète ce que Dieu est en train de dire à Ézéchiel et prophétise conformément à la parole. Et l'Esprit, sur ta parole, et sans hésitation, sur ta parole, il a jeté le filet et il a repris les poissons. Là où tu es, commence à prier maintenant. Commence à déclarer. Prends position, prends quelle position. Tu peux prendre même ta Bible et commence à prier, commence à prophétiser sur la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, je déclare au nom de Jésus, refuse les naturels, refuse les statico, refuse les habitudes.
dit Seigneur, j'aimerais expérimenter la puissance surnaturelle. Ézéchiel a expérimenté la puissance surnaturelle. Déclare l'esprit surnaturel en toi. Commence à prier là où tu es, bien-aimé, frères et sœurs. Commence à prier. Alléluia. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père. Je bénis ton nom, je bénis ta présence, je bénis ta grandeur, mon Père et mon Dieu, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est digne comme toi, Seigneur. Je viens devant toi, ô Éternel et notre Dieu. Je viens devant toi, refuser, Seigneur. Je refuse, Père. Je refuse l'habitude. Je refuse l'habitude. Je refuse l'habitude dans ma vie. Je refuse l'habitude dans ma vie de prière. Je refuse l'habitude dans le ministère. Je refuse l'habitude dans ma maison, papa. Je refuse l'habitude dans l'église. Je refuse l'habitude. Je refuse l'habitude, je refuse l'habitude. Dans le nom de Jésus, je refuse tout ce qui est sec, tout ce qui est sec, tout ce qui est sec. Je refuse dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je refuse, Père, je refuse dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ô Éternel, mon Père et mon Dieu, mon Roi, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Papa. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Papa. Délivre-moi, Seigneur. Délivre ma maison. Délivre mon épouse. Délivre mes enfants de l'habitude, Seigneur. De l'habitude de mon Père et mon Dieu. Tu as permis les confinements, Yahweh, pour me parler. Tu as permis les confinements, Seigneur, pour travailler ma vie, pour travailler mon âme éternelle et notre Dieu. Yahweh, je déclare, je prophétise, Seigneur. Je prophétise, Seigneur. Je prophétise, Yahweh. Je prophétise, Seigneur. Je prophétise, Yahweh. Je prophétise, Seigneur. La puissance surnaturelle. La puissance surnaturelle dans ma vie, Seigneur. Dans ma vie, Yahweh. Je déclare la puissance surnaturelle. Je déclare la puissance surnaturelle. Le réveil puissant éternel est notre Dieu. Oh, Yahweh, le miracle de Dieu dans ma vie. Le miracle de Dieu dans ma maison, le miracle de Dieu dans le ministère. Yahweh, même partout là on n'a jamais entendu ma voix, que tu puisses m'amener pour proclamer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi, Seigneur, je refuse les habitudes de Yahweh. Je refuse les statiques de Yahweh. Je refuse, Seigneur, de demeurer, Yahweh, là où c'est sec, Papa, dans le nom de Jésus. Souffle, Père, je prophétise dans ma vie. Alléluia, Rebo Shandaraba, Ikaraba Sakaraba, Bende Rebo Shindaraba, Robo Shekerebo, Indaraba Sansaraba, Robo Sharaba Baba, Raba Baba, Rebo She, Inde Rebo Karaba, Indaraba, Randaraba Sekerebo, Indaraba Shandaraba, Robo Shekerebo, Indaraba Sansaraba, Indaraba Shekerebo, Robo Shandaraba, Indaraba. Alléluia, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence, nous bénissons ta fidélité. Merci Seigneur Jésus, Yahweh, Yahweh, visite-nous papa, visite-nous Yahweh, visite-nous Seigneur, visite-nous mon Père et mon Dieu, selon le destin que tu as pour nous, selon le destin que tu as pour nous. Je prophétise de la vie, je prophétise de l'abondance, je prophétise de la puissance surnaturelle dans ma vie, dans ma santé, Seigneur. Je prophétise dans la vie de mes enfants. Je prophétise dans la vie de mon épouse. Je prophétise dans la vie de mes frères et sœurs. Je prophétise de la vie. Je prophétise de la vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Tout ce qui est charnel, Père, tombe dans le nom de Jésus. Tout ce qui est de la chair soit brisé. Tout ce qui est de la chair soit brisé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'Esprit nous fait sortir. Que l'Esprit nous fait sortir. Que l'Esprit nous fait sortir. Rebocha Karaba. Dans tout ce qui est sec. Dans tout ce qui est sec. Dans tout ce qui est sec. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, parce que nous voulons sortir de ce qui est mort. Écoutez, Israël était en guerre. Il y a un soldat qui est décédé. On lui a pris, on est allé lui jeter. Vous savez, quand tu es mort, on va t'enterrer. Mais lui, on est allé lui jeter.
La Bible nous dit que là où on a jeté ses soldats, c'est là où on avait enterré Élisée. La Bible nous dit l'esprit qui était à Élisée mort, avec les contacts de ses soldats, les soldats ont repris vie. Oh bien-aimé, toi on t'a jeté, mais tu n'es pas tombé n'importe où. Tu as tombé sous la bonne terre, qui est Jésus-Christ de Nazareth qui donne la vie. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est en toi. Tu vas prophétiser encore. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ta gloire. J'aimerais vivre ta gloire dans ma vie. Fini de pleurer. Fini la tristesse. Fini les soucis en moi. Parce que tu n'es pas tombé n'importe où. Tu es tombé sur la bonne terre qui est Jésus. Que l'Esprit entre en toi. Que l'Esprit entre dans la vie de tes enfants. Tu vas dire, Seigneur, je le déclare au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Commence à déclarer que la vie entre en toi. Déclare, dis, Seigneur, j'aimerais vivre la gloire de Dieu. J'aimerais expérimenter la gloire de Dieu. Dis, Seigneur, j'aimerais vivre ta gloire. La gloire. Tes soldats ont expérimenté la gloire. La gloire de Dieu. Prie le Seigneur là où tu es. Alléluia. Alléluia. Rabba, charaba. Merci Seigneur notre Dieu. Nous ne sommes pas tombés n'importe où. Nous ne sommes pas tombés n'importe où, Seigneur. Nous sommes tombés sous la bonne terre qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. Oh Yahweh, je viens déclarer la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens déclarer la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens déclarer la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens déclarer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ma maison. Je viens déclarer la gloire de Dieu dans la vie de mes enfants. Et Yesu. Baba minali amdele ako. Minadishu shamdele ako. Unakwa kimbili yonandu. Unakwa uzima wangu baba. Minapenda baba udioneshe. Que tu te fais voir dans ma vie. Udioneshe baba. Udioneshe mungu muzima. Udioneshe katika jina la Yesu. Udioneshe katika jina la Yesu. Yesu minalia mbele yako. Minadishusha mungu. Minadishusha kimbilio langu. Udioneshe. Udioneshe mungu. Udioneshe katika jina la Yesu. Udioneshe katika jina la Yesu. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père. Que ta gloire dans ma vie. Que ta gloire dans ma vie. Et Rebo Shandaraba, que ta gloire dans ma vie, 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 que ta gloire dans ma vie. Merci Jésus, Kimbili Olangu, Uzima Wangu, Ushindi Wangu, Baba, Minali Ambele Yako, Minali Ambele Yako, Minapenda Kuona Mukono Wako, Minapenda Kuona Mukono Wako. Ninapenda kuona nguvu wako. Ninapenda kuona utukufu wako. Mungu, kimbilio langu. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Revo sharaba santaraba. Rindaraba shakaraba sakaraba. Rindaraba shenderevo sekerevo. Raba santaraba. Rindaraba shandaraba. Robo karaba sakaraba. Indaraba shenderebo. Glory. Rebo shenderebo. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père. Le Dieu des miracles et des prodiges. Le Dieu des miracles et des prodiges. J'aimerais vivre ta gloire. J'aimerais vivre ta gloire. J'aimerais expérimenter la gloire de Dieu. J'aimerais expérimenter la gloire de Dieu. La gloire. Oh Père, Yahweh. J'aimerais le vivre dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Toi, tu es de notre côté. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père. Nous t'adorons, Papa. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te voulons, mon Dieu, mon Roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père. Sois béni, sois élevé, sois exalté, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier.
Nous allons prier pour notre assemblée. Même si tu ne fais pas de notre, tu ne fais pas partie de notre assemblée, mais tu vas prier pour ton assemblée là où tu es. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons vivre la puissance surnaturelle. Après ce confinement, nous allons vivre, nous voulons expérimenter ce que nous n'avons jamais vécu dans notre assemblée. Oh bien-aimé, le Seigneur nous a renfermés pour nous parler. Nous voulons quand nous allons rentrer, et je sais que bientôt nous allons nous retrouver ensemble. Nous allons dire, Seigneur, qui est la puissance surnaturelle dans notre assemblée. Dieu de la vie, nous allons prier pour la louange, l'adoration, quand nous allons chanter, louer le Seigneur. Moi, ce jour-là, des chroniques 20, si je ne me trompe pas. La Bible nous dit que quand on faisait la dédicace du temple, la gloire a descendu. Nous avons besoin que la gloire descende dans notre église. Nous avons besoin d'expérimenter ces choses. Parce que nous sommes dans l'intercession, nous allons prier pour notre église. Avant que nous puissions prier pour nos pays, nous allons déclarer, Seigneur, nous voulons vivre la puissance surnaturelle. Alléluia. Que les malades viennent, qu'ils rentrent guéris au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Je bénis ton nom. Je bénis ta présence. Je bénis ta fidélité. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Je viens élever ton nom et recommander mon Père et mon Dieu, notre assemblée entre tes mains. Je viens recommander notre assemblée. Yahweh, tu es Dieu, tu restes Dieu. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu déverses la puissance surnaturelle. La puissance surnaturelle, chaque fois que nous nous réunissons, Seigneur, que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu, que nous puissions expérimenter le miracle de Dieu, que nous puissions expérimenter, Seigneur, oh, l'abondance, Seigneur, que chaque fois, éternel notre Dieu, que tes serviteurs vont se présenter pour nous parler, Seigneur, qui nous parle, Yahweh. Oh Yahweh, le miracle, par la puissance de la parole, dans le nom de Jésus. Yahweh, que tu déverses, Seigneur, la gloire, la gloire, la gloire, dans nos assemblées, dans le nom de Jésus, 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 et le Dieu des miracles et des prodiges. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, éternel et notre Dieu. Merci, Papa. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta présence. Nous voulons expérimenter, Seigneur. Yahweh, pendant l'adoration, la louange, Seigneur, dans l'Église et la gloire de Dieu, qui est des témoignages vivants qui donnent la vie, qui est des témoignages, Seigneur, notre Dieu, car Jésus est Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel et notre Dieu, notre Père. Sois béni, sois élevé. Alléluia. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père. Yahweh, je bénis ta prière pour nos pays. Nous allons prier pour UK. Prier pour la France. Nous allons prier partout où il y a la prophétiser là où il n'y avait pas de vie. Et quand il a prophétisé, la puissance du Saint-Esprit a descendu et a donné la vie. Nous allons prophétiser dans nos villes pour qu'il y ait la vie. Alléluia. Nous allons les déclarer. La Bible déclare dans le livre de Genèse que la terre était vide et forte. Mais quand Dieu a soufflé de son esprit, il y a eu la vie. Nous allons déclarer par l'esprit qui est en nous. La vie à UK, la vie à RDC, Cameroun, France, partout, nous allons déclarer la vie. Et pas autre chose, dis seulement, je prophétise la vie, je prophétise la vie. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour que les brebis puissent mourir. Mais Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que le pécheur se repente et qu'il puisse connaître le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous allons prophétiser la vie. Nous allons dire, Seigneur, touche,
touche même tous ceux qui sont malades. Nous prophétisons la vie en eux. Prions le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Prophétise, bien-aimé. Prophétise là où tu es. Prophétise la vie. Prophétise la vie. Prophétise la vie. Prophétise comme Ézéchiel. Dieu l'a transporté dans la vallée. Dieu l'a transporté. Il l'a transporté. Il a prophétisé, il a prophétisé. Prophétise de la vie, bien-aimé. Prophétise de la vie, même dans ton quartier, là où tu habites. Prophétise de la vie. Dis, Seigneur, je déclare la vie. Je déclare la vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons ton nom. Nous venons prophétiser. Nous venons prophétiser la vie. Je prophétise la vie. Je prophétise la vie par la puissance du Saint-Esprit. Je prophétise la vie ici à UK. Je prophétise la vie à Nottingham. Je prophétise la vie à Derby. Je prophétise la vie à Glasgow. Je prophétise la vie en Irlande. Je prophétise la vie en France. Je prophétise la vie à Wales. Je prophétise la vie. La vie, Seigneur notre Dieu, en Espagne. Je prophétise la vie. Ô Éternel notre Dieu, en Amérique, papa. Je prophétise la vie. Je déclare la vie dans le nom de Jésus. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Là où il y a la mort, Seigneur. Là où il y a la mort. Parce que toi, tu n'aimes pas la mort d'un pécheur. Mais tu veux que le pécheur se répand et vienne à toi. Christ est venu pour nous. Donner la vie et la vie à l'abondance. Nous prophétisons la vie, nous prophétisons la vie, nous prophétisons la vie, nous prophétisons la vie par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons la vie, nous déclarons la vie à tous ceux qu'on a déclarés. Ô Éternel et notre Dieu, notre Père, positif de Yahweh, nous déclarons la vie dans le nom de Jésus. Nous déclarons la vie, nous déclarons la vie, qu'ils vivront, Seigneur, ils ne vont pas mourir, ils vont déclarer les œuvres de l'Éternel, ils vivront, Seigneur, ils vivront, Seigneur, ils vivront, Yahweh, ils vivront, Seigneur, les ennemis qui ont creusé, oh Yahweh, leur trou, en disant, jusqu'à quand il va mourir, en disant, jusqu'à quand il... la vie, là, on a déclaré la mort. Toute leur agenda soit brisée. Oh, dans le nom de Jésus, nous déclarons la vie, Seigneur. Nous déclarons la vie. Que tu souffles, Père, comme tu as soufflé dans ta parole, sous les ossements desséchés, sous les ossements desséchés, tu as soufflé, Père. Nous aussi, nous venons ensemble comme un seul homme. Oh, Yahweh, comme les apôtres. Ils étaient dans la chambre haute en train de prier et l'esprit de vie a descendu. Nous aussi, nous venons ensemble déclarer la vie dans les hôpitaux, Seigneur. Nous déclarons la vie partout où il y a la mort. Nous déclarons la vie dans le nom de Jésus. Nous déclarons la vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur notre Dieu. Rebo Shandaraba Sakaraba. Bindaraba Shandaraba, Rebo Shandaraba Karaba, Robo Sakaraba, Bindaraba Shenderebo, Alléluia, sois béni, sois élevé, Seigneur. Comme Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci, Seigneur, notre Dieu, notre Père, que ta grâce, Seigneur, pauvre éternel et notre Dieu, Père, nos bien-aimés, merci, Seigneur, notre Dieu, notre Père, sois béni, sois élevé, Seigneur, au nom de Jésus, merci, Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés, nous allons prier pour nos enfants. Il est vrai qu'ils sont enfermés dans la maison. Mais nous ne voulons pas que pendant ce temps que nos enfants soient corrompus par n'importe quel vent à travers les choses qu'ils regardent. Nous voulons que nos enfants soient sous la couverture du sang de l'agneau. Qu'ils ne regardent pas n'importe quoi. Qu'ils ne puissent pas se rallier à n'importe quoi. Nous allons dire, Seigneur, écarte tes enfants. Tes yeux les couvrent. Qu'ils demeurent sous la bonne voie. Parce que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume des cieux les rassemble. Voilà pourquoi nous allons prier pour nos enfants. Nous allons dire, Seigneur, garde nos enfants. Protège-les pendant ces confinements.
Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Je bénis ton nom. Je bénis ta présence. Je viens remettre, ô éternel et mon Dieu, mon roi, mes enfants entre tes mains. Ô Père, Daniel entre tes mains. Shekina entre tes mains. Priska entre tes mains. Narcisse entre tes mains. Les enfants, ô papa, de mes frères et sœurs, Nottingham et Derby, Irlande, partout, France et Belgique, nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu écartes nos enfants. Nos enfants, qui sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi, écarte-le, Seigneur, notre Dieu. Écarte-le, Seigneur, notre Dieu, de tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, prends le contrôle de la vie de nos enfants. Prends le contrôle de la vie de nos enfants. Oh Dieu, que tu veilles sur eux, papa. Que tu veilles sur eux, Seigneur. Qui ne tombe pas sur n'importe quoi, Seigneur. Qui ne tombe pas sur n'importe quoi, Seigneur. Écarte-le, Seigneur. Écarte-le, Seigneur. Écarte-le, Seigneur. Écarte-le, Seigneur. Écarte-le, Yahweh. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus. Garde mes enfants, Seigneur. Garde les enfants de mes bien-aimés. Frères et sœurs, Yahweh. À Nottingham, Seigneur. Tous nos enfants, papa. Tous nos enfants à Nottingham. Tous nos enfants à Derby, Seigneur. Tous nos enfants, Père. Qui sont en Belgique, Yahweh. Qui sont en France, Seigneur. Au Congo, papa. Partout. Seigneur, écarte nos enfants devant leur tablette, Seigneur, devant leur appareil, Seigneur, qui ne regarde pas n'importe quoi, Seigneur, qui ne se donne pas à n'importe quoi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu des révélations. Révèle-le, Seigneur, révèle-le, Seigneur, révèle-le, Seigneur, notre Dieu, des bonnes choses pour ton amour. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prier. Pour le culte de demain, avant de terminer, nous allons dire, Seigneur, nous remettons notre service de demain entre tes mains. Le culte des enfants à 18h entre les mains de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, que tu puisses bénir notre culte de demain. L'adoration, la louange, de la manière dont ça va se faire. Oh, bien-aimé, le problème, c'est adorer le Seigneur. Le problème, c'est délouer le Seigneur. Pendant le temps, ces temps, le Seigneur est en train de te parler. Le Seigneur est en train de te former. Le Seigneur est en train de te tailler. Quand tu vas venir au roi, tu seras quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi nous allons déclarer, Seigneur, que le culte de demain soit un culte prophétique. Que tu bénis ton serviteur. Que tu vois ton serviteur, le musicien. De la manière dont nous allons célébrer ce culte, que Dieu bénisse. Alléluia. Alléluia. Mettre le service des enfants à 18h aujourd'hui. Père, nous prions enfin que Seigneur, que tu bénis le service des enfants, Seigneur. Que tu bénis le service entre tes mains. Je remets Maman Sylvie entre tes mains. Je remets Éternel notre Dieu, Maman Julie entre tes mains. Je remets Papa Christian entre tes mains. Je remets Pasteur Didier, Maman Rose entre tes mains. Je remets Papa Joseph, tous nos bien-aimés qui travaillent entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, que tu les gardes, que tu les protèges, Seigneur. Tous ceux qui travaillent, et le médecin, les infirmières, la police, et les infirmiers, Seigneur. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Garde-le, Seigneur. Protège-le, Yahweh. Que la main de Dieu soit sur eux. Que la grâce de Dieu les couvre. Tantine Nathalie, entre tes mains. Yahweh, tous ceux qui travaillent, qu'ils soient sous la protection du Très-Haut. Je viens remettre nos bien-aimés qui sont en ligne. Qu'ils soient bénis. Bénis leur maison. Bénis leur famille. L'abondance règne dans leur maison. Dans leur foyer. Papa, papy, entre tes mains. Yahweh, que tu sois avec eux. Garde-le, Seigneur Jésus. Protège-le, Seigneur. Nous t'adorons, Père. Nous te louons, Seigneur. Nous voici arrivés à la fin de notre service. Que le Seigneur, notre Dieu, ô Papa, soit béni, soit élevé. Que la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Oui, partageons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. À 23h, les pasteurs nous donnent déjà le programme. On va se retrouver pour notre service. Que Dieu vous bénisse.
Bye bye.